Moi, je m'appelle Donald Renew, je suis comédien et je fais beaucoup, beaucoup de doublage. Avec une carrière jalonnée de succès, Donald Renew s'est imposé comme l'une des figures incontournables du doublage français. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant de l'homme derrière les voix qui ont marqué toute une génération et qui continue d'émerveiller les générations actuelles. Mais derrière chaque personnage emblématique se cache une histoire unique, une voix singulière et des souvenirs qui marquent à jamais. Nous avons eu la chance de rencontrer Donald Renew dans le sublime Studio 31, cinéma iconique à deux pas de Disneyland Paris, dans lequel il s'est confié sur son lien indéfectible avec l'univers magique de Disney. De ses débuts avec la marque aux grandes oreilles jusqu'à ses projets les plus récents, plongeons ensemble dans les coulisses d'une carrière aussi riche en émotions qu'en créativité. Découvrons l'homme derrière les voix dans une conversation honnête, spontanée, où résonne son attachement à la magie Disney. Bonjour, c'est un honneur pour nous de te rencontrer dans ce superbe cinéma qu'est le Studio 31. On est vraiment admiratif de ton travail et on va revenir sur ta carrière dans le doublage bientôt. Avant toute chose, on a quelques questions liées à ta relation avec Disney. Ouais. Pour débuter, est-ce que tu pourrais nous définir Disney en un seul mot ? Magie. Et comment es-tu tombé dans cette fameuse magie Disney ? Je pense qu'on est tous tombés dedans en allant la première fois au cinéma et puis après ça s'arrête plus jamais. Hein. Concrètement, on a tous cette recette-là et puis aujourd'hui on le voit sur les réseaux sociaux, on voit que tous les films sont liés par un détail ou deux et c'est encore plus impressionnant que de cacher des trucs, ne pas le dire et qu'aujourd'hui on voit sur un micro détail, tiens la tempête, c'est donc les parents d'eux, un tel, ah mais donc réponse est liée à ce... Incroyable. Et donc, quel serait ton Disney préféré ? Wally. Ok, mais alors, qui serait ton personnage préféré ? C'est Eve. Et pour finir sur ce sujet, si tu pouvais garder qu'une seule chanson ? Je suis ton ami, forcément. Effectivement, on comprend aussi pourquoi. Normal. Merci pour ces réponses. Maintenant qu'on connaît un peu mieux ta relation avec Disney, on aimerait en savoir plus sur ton lien en tant que comédien de doublage avec eux. Comment as-tu commencé à collaborer avec eux ? C'est une bonne question, mais alors pour Disney, je sais plus sur quoi c'était le tout premier. Ce qui est sûr, c'est quand j'ai passé l'essai pour Toy Story, quand j'ai vu le film, je me suis dit tout de suite, il faut absolument que je fasse ça, c'est un truc de fou. On était toujours habitués aux dessins animés en 2D, et là, la 3D arrivait. Alors effectivement, tout n'était pas terminé, il y avait pas mal de storyboards, mais waouh, la claque que c'était, et c'était encore que du work in progress, comme on dit. Donc c'était hyper impressionnant, et voilà, ça a marqué le cinéma à jamais. Aujourd'hui, le cinéma en 3D a changé depuis Toy Story. Je l'ai senti tout de suite quoi. J'ai vu le truc, j'ai fait waouh. Tu arriverais à nous citer ton meilleur souvenir lié à un doublage Disney ? Il y en a eu tellement des Disney. Un qui m'a marqué, mais qui n'est pas forcément le plus gros succès, c'est Bienvenue chez les Robinson. Parce que c'est un petit peu ce film-là qui m'a relancé à faire plein de gros rôles pour Disney. Et j'ai senti qu'il y a eu un avant et un après. Donc ça, c'est cool. Ça a été très net. Et je dois beaucoup à ce film aussi. Plutôt surprenant, puisque c'est pas le premier Disney qui peut venir en tête. Ouais, mais c'est vrai que Carl, le robot, je pense qu'ils ont vu le fun que je pouvais amener sur un dessin animé. Et de là a découlé tout le reste. Les mondes de Ralph, le voyage d'Arlo. Il y a eu tellement. Je pourrais même plus les compter, mais c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Et tout vient de là aussi. Y aurait-il un doublage que tu n'as pas fait et pour lequel tu aurais aimé contribuer ? Ouais, bah c'est continue Toy Story en fait. Ne pas les continuer, ça a été vraiment difficile parce que moi j'avais muet et pas le rôle. Donc du coup, je ne l'ai pas continué. C'était dommage parce que j'adorais Andy. J'espère que sur le 5, je pourrais le reprendre. Ce serait incroyable. Ça ferait plaisir à pas mal de fans. Ouais, franchement. Ouais. On a pu te voir sur Spider-Man, qui a depuis été repris en 2017 dans le Marvel Cinematic Universe chez Disney. Est-ce que tu aurais aimé revenir sur ce personnage pour prêter ta voix cette fois-ci à Tom Holland ? Bah, effectivement, j'aurais aimé le reprendre quand il y a eu le premier. C'était Homecoming. Voilà. No Way Home, c'était le retour. Effectivement, je me suis dit que ce serait cool de pouvoir le continuer, comme ils avaient fait sur Superman chez Warner. Ils avaient gardé la même voix, et pourtant ça avait changé d'acteur. J'étais un peu déçu de ne pas le continuer, mais finalement, ils ont bien fait, parce que quand il y a eu No Way Home, on aurait été bien embêtés, quoi. Donc finalement, c'était écrit, c'était comme ça. Donc, et puis ouais, No Way Home m'a permis de penser les plaies de cet arrêt brutal. Je pense pour Andrew Garfield comme pour moi, c'était important. Tant qu'on parle de No Way Home avec tous ces Spider-Man, est-ce que Andrew Garfield est le vrai Spider-Man selon toi ? Pour moi, Andrew Garfield incarne le mieux Spider-Man et vraiment objectivement, je trouve que, je sais pas, il a ce truc. Je trouve que
Tobey Maguire, c'est un peu trop, je vais loin, un peu nerd, et Tom Holland, un peu trop jeune. Andrew Garfield avait un peu le mix des deux, mais je pense que s'il y avait eu Andrew Garfield avec Sam Raimi, ça aurait été le mix parfait, quoi. On a quelqu'un qui n'est pas tout à fait du même avis que toi. On te laisse écouter son message. Moi, je vois bien ton Tom Holland, là. Je veux même pas en entendre parler. Non, je déconne, vas-y. Alors, Donald, comme ça, il y a une petite rencontre qui s'organise. Et attends, tu te présentes comment? Comme Spider-Man. Mais tu devrais pas leur dire que le vrai Peter Parker, le numéro 1, Peter numéro 1, c'est qui? C'est moi? Bah oui. Non. Allez, c'est pas grave. Je t'en veux pas. Ah, et si tu veux des conseils pour combattre les super-vilains, n'hésite pas, je suis là. Allez, à toutes. Bah, il déchire, Hugo. Mais Hugo, Ah, ça a recommencé, non, c'est bon. Non, mais ouais, mais Hugo, il le fait super bien. Et c'est vrai que c'est cool qu'on ait pu faire les trois ensemble avec... Avec Tobey Maguire, c'était cool cette rencontre, mais c'est très cool. Et aujourd'hui, il est assimilé avec Tom Holland. Et c'est vrai que quand on est dans le parc, s'il m'avait demandé de le faire dans le parc, ça aurait été dommage, ça aurait été ridicule, parce que le Tom Holland, c'est Hugo qui doit l'incarner dans le MCU, donc c'est totalement logique. Et je suis très content qu'ils aient fait ce choix-là, parce que ça aurait été dommage de briser cette continuité. Donc c'est cool en tout cas. Côté doublage avec Disney, tu as de futurs projets prévus? Non, j'en ai pas de projet acté. On sait qu'il y a le retour de Phineas et Ferb dans cette année ou celle d'après. Mais je sais qu'il y a plein de trucs qui arriveront forcément à l'avenir. Mais en tout cas, dans les animés, à part Phineas et Ferb, et j'ai pas de date, il n'y a rien de calé pour l'instant. Ah si, bah forcément... La suite de La Reine des Neiges, mais pareil, j'ai pas de date pour ça. Puis on verra pour le parc. Tiens, tu parles de Disneyland Paris. Et justement, on se demandait, quand on entend des personnages que tu as incarnés, est-ce que c'est toi qui les doubles également dans le parc? Oui, il n'y a pas de raison. Et moi, j'ai déjà bossé dans plusieurs attractions, dans Hyperspace Mountain et dans Star Tour. On m'entend encore en ce moment. Mais ouais, il n'y a pas de raison que je fasse pas pour La Reine des Neiges, effectivement. Côté parc, d'ailleurs. On a aussi pu entendre ta voix dans le podcast officiel de Disneyland Paris. Mmh. Comment tu es arrivé sur ce projet et comment tu l'as découvert? En fait, je pense qu'il savait que j'aimais le parc et que j'y vais régulièrement. Et donc, du coup, mixer la voix off et de quelqu'un qui aime le parc et pouvoir faire des making-of sur les réseaux, ça faisait tout un pack complet qui était intéressant pour eux. J'aime bien faire ces podcasts. On a fait ça sur les jardins, sur Main Street, et peut-être que ça continuera. En tout cas, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. On adore le parc également. Du coup, on est obligé de te poser une question. Est-ce que tu as une attraction préférée? Moi, j'adore Buzz. Et claquer à 999 999, mais je suis dégoûté parce que je l'ai fait plein de fois. Et même une fois, j'ai fait 999 000, bref. Et 600 000 sur le truc d'à côté. Et personne m'a donné le badge de Chevalier Interstellar, je sais plus ce que c'est. Mais c'est un sticker, ça. Mais personne m'a le donné. Ah, fallait le demander. Mais personne m'a dit qu'il fallait le dire. Et il pourrait le voir qui est marqué, tu sais, un truc qui s'allume, il me dit, attention, le mec, il a tout déchiré. Eh ben non, rien, jamais eu. Je suis dégoûté. Et en plus, j'ai des photos de ça. Hein. Honteux. Y a-t-il d'autres choses de programmées? Non, c'est à suivre, mais je pense qu'avec le land de La Reine des Neiges, il y aura forcément des activations quand ils y verront plus clair avant la sortie. Je sais même pas quand c'est prévu le land, mais évidemment, on sera présent. On arrive à la conclusion de cette interview. On avait eu la chance de rencontrer une autre voix de chez Disney et on lui avait demandé de faire une question à l'aveugle. C'est donc à toi que cette question est destinée. On te laisse regarder et nous donner ta réponse. Je cherche l'étoile qui saura me guider. Est-ce que l'univers Disney t'a fait rêver enfant? Et est-ce qu'aujourd'hui, en travaillant, en apportant ta patte à Disney, est-ce que tu ressens toujours ça? Est-ce que tu ressens toujours cette magie? Eh oui, bonne question. Ouais, non, c'est vrai que moi, la relation, en fait, spectateur-magie et après dans les coulisses, ça a un peu changé, mais c'est un autre plaisir et j'ai toujours autant de plaisir à soigner mon doublage dans les moindres détails quand je fais un Disney. Et c'est ce que je préfère faire hein, dans les dessins animés. Il n'y a rien de mieux quand je fais des stages. Je dis, les gars, vous vous rendez pas compte, ça c'est du caviar. Enfin, il y a tout qui est dans les micro-détails, le moindre mouvement, on peut le souligner. C'est vraiment c'est ce qu'il y a de mieux à faire en doublage. Donc, ouais, en tout cas, la magie elle est toujours présente. J'essaie juste
à mon tour de maintenir la magie pour le spectateur et de vraiment de faire le meilleur doublage pour que le dessin animé soit le mieux possible en tout cas. Merci infiniment de nous avoir accordé du temps pour cette interview. C'était un réel plaisir de te rencontrer. On espère te revoir très vite. Pour les gens qui te regardent, tu peux dire où est-ce qu'on peut te retrouver ? Bah, si vous voulez me retrouver, en tout cas, ami de D92, moi je suis sur Twitch, sur YouTube, sur tous les réseaux, avec mon nom, Donald Renew. Vous pouvez pas me. J'ai pas de pseudo, c'est assez facile.